Bonjour à tous et à toutes. Alors je vois que ça s'installe. Vous me direz la quantité de parasites que vous, vous chopez dans les oreilles. J'ai reçu cette magnifique bête, j'ai pas eu le temps de, de tout checker, euh, qui me permet d'avoir normalement un son encore meilleur, même si l'usage sera plus musical et notamment sur du champ je pense normalement mais du coup qui dit plus sensible dit aussi que ça chope plus de parasites et vu le bordel sur le bureau euh, c'est clair que le passage de câble est jamais idéal donc euh, on va voir ce que ça donne en tout cas euh, moi les petits essais que j'en ai fait euh, je sais que je vais finir par installer ça et que ça va être vraiment vraiment sympa euh, aujourd'hui on va tâcher de rester dans les clous pour tout vous dire euh, tout à l'heure, je file, c'est les 10 ans de mon petit-neveu adoré. Et je, je lui amène une petite surprise. Une... Il a déjà fait pas mal de choses avec les microbits avec moi. Et je lui amène un kit uh, Kitronic Move uh, tout à l'heure. Et on choisira ensemble un kit uh, en Lego. Uh, donc j'en choisirai un, Stéphie, dans la liste uh, qu'on a déjà pas mal échangé. Je pense que ça sera le, le, le rover de chez Yaboom. Mais on verra ce qu'il qu branche pour mélanger un peu. Uh, le code qu'il aime bien et puis il aime encore pas mal jouer avec tous ces trucs donc euh, voir si le lego ça le branche je vous dirai ce que ça donne ou si j'ai si fait un bid sans plus attendre je vais euh... <laughs> ouais après ouais me sentir près de mes gadgets peut-être euh, pour l'instant j'ai gardé l'ancien micro qui est euh, l'ancien pied pardon qui va super bien jusqu'ici euh, c'était un pied euh... Euh, basique de chez basique, mais là euh, ça fait son poids la bête et, et il a un peu de mal. Et surtout, euh, j'ai pas encore trouvé la position. Alors, il y a les parasites, il faut que je trouve une position pour qu'ils puissent à la fois être ici et sur le côté. Parce que vous allez voir, je vais me mettre dans la position où je suis quand je filme normalement la top cam. En gros, je suis ici donc euh, clairement vous entendez nettement moins. Donc, faut que je déplace le micro sinon vous allez pas tout choper. Allez, c'est parti. Blablabli, blablabla. Euh... Un projet que je voulais vous, vous partager brièvement, euh, que j'ai déjà vu passer, mais que bien sûr hein, il est dans la to-do list, la fameuse to-do list. C'est Piku. Euh, L'idée derrière Piku c'est d'avoir un, une espèce de Heroku Cloud Foundry euh, like euh, Pass, comme il se définit lui-même. En gros, de pouvoir euh, avoir un système personnel à vous qui vous permette de déployer euh, des projets que vous allez. Euh, stocké sur sur github euh, et euh, la promesse c'est que euh, ça puisse tourner euh, correctement sur euh, des raspberry donc euh, je vais essayer de préparer euh, des petits essais avec ça rajouter un peu des choses dans la to-do list sinon c'est pas drôle voilà toc et je voulais Juste vous le montrer pour... Ben voilà, c'était la petite news de ce matin, ça a popé et, et ça m'intéresse pour redéployer, je pense, la, la suite là du petit projet avec les, les M5 Sticks qui euh, vont être sur un espèce de réseau avec une petite application qui permettra de consolider dans un dashboarding. Et donc je verrai tout ça, comment je le déploie, mais je m'amuserai peut-être au passage avec ça, on verra. Euh, voilà, je, je ferai ça en plus de tout le reste. Et sinon, euh, la chose principale dont je voulais vous parler aujourd'hui, euh, outre le fait que systématiquement, vous ne jouez pas votre rôle de me rappeler ce que j'oublie, vous savez que je suis une tête percée. Donc, on va copier tout de suite euh, le lien pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Ah, que coucou à la Bourbibox T'as vu, je vais vous faire de la SMR maintenant. Donc, si vous voulez euh, nous rejoindre sur le Discord, je n'ai pas oublié euh, B-Box. Je refais les choses dans l'ordre. J'aurais dû commencer par ça tout à l'heure. Ma faute entière. Donc là, c'est le lien sur le projet Picou. Voilà. Et ensuite, euh, bien, tout simplement, je voulais vous partager euh, ce qui a occupé. Euh, une partie de mon midi hier et de, de ma soirée. Euh, J'ai continué d'avancer avec le le Pico, euh, le RGB Keypad, euh, qui euh, qui devrait me permettre, dans un premier temps, avant que je finisse, de toute façon, vous le savez à l'avance, de craquer pour un, un Control Deck, un Stream Deck de chez Elgato. Mais en attendant, on va aller jusqu'au bout de la démarche Do It Yourself. Donc, euh, où est-ce que je l'ai rangé Hop vous allez le voir en tout petit, mais vous allez le voir quand même. Voilà. Pour rappel, le keypad, c'est ça. Et donc, je vais en faire un, un petit euh, outil de contrôle de changement de scène et peut-être de lancement de son ou je ne sais quoi quand je, je fais les lives avec euh, le logiciel Ecamm Live. Donc, toute la difficulté va être là au départ, en tout cas, c'est là où elle était. Puisque, contrairement à OBS euh, qui a une, une API qui est documentée pour permettre d'accéder à tout ça, et bien là, il euh, n'y avait rien. Il n'y avait pas de doc, en tout cas je n'en ai pas trouvé, certainement pas de manière officielle, mais le, le Stream Deck étant compatible avec Ekam Live, et ça veut dire qu'il y a bien un moyen de, de communiquer. Et une touche pour piloter les ventilos pour le Mac. Ah ah ah. Vous les entendez là, les ventilos d'ailleurs ils tournent un peu aujourd'hui. Vous me direz si ça tourne, si ça s'entend fort ou pas fort. Et donc pour cette histoire de Ekam Live et d'API, ben, je me suis mis à faire quelques recherches. Ah tu vas pas t'y mettre Philippe à te moquer. Hein. Euh, cool que tu sois passé je crois que tu étais super débordé ça va t'as survécu Philippe tant mieux je l'enregistrerai pour toi puis je te ferai, je te ferai une démo t'inquiète et donc en creusant pour piloter Ecam euh, Live je suis passé donc euh, c'est un, un projet qui peut être intéressant si vous voulez faire un certain nombre d'utilisations autres du stream deck en lui même l'objet physique il euh, y a un projet qui s'appelle le projet companion chez Bitfocus et il euh, y a un système de modules les companion modules qui permettent de piloter différents, euh, différents logiciels et euh, dans les issues euh, on peut rajouter euh, ben, y a un, un projet dédié à ça où on peut rajouter des demandes pour des logiciels particuliers et discuter de la faisabilité entre autres je sais que les M pas de souci de chauffe arrêtez arrêtez je n'ai pas oublié <laughs> et ben pose-toi Philippe installe-toi j'espère que tu t'es pris un truc à boire tranquillou et puis euh, profite et donc, bah, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'était déjà penché sur l'API et euh, visiblement, il avait déjà trouvé en fait euh, comment euh, cette API était un peu euh, câblée. Donc, il propose là ce que vous voyez au milieu, le, le fichier ecamlivecontrol.pdf que je vous montre ici. Et euh, c'est une liste des, des, des API que lui, il a trouvées, euh, qui sont des API où on fait des, des, des simples appels euh, HTTP, euh, une simple méthode get, c'est quelque chose de très simple, si vous faites du développement web, ça vous parle. Sinon, je vais vous montrer pour les autres, ça n'a rien de, de compliqué. La difficulté quand même étant de savoir euh, où euh, sur quel port euh, ECAM est en train de, de, de vous parler éventuellement. Et donc il évoquait euh, cette espèce de chaîne que vous voyez, la Search for Service of Type. Euh, qui est en fait une... Là il ne le mettait pas spécialement, mais... Euh, c'est euh, par le biais du service Bonjour et le service Bonjour. Moi, quand j'ai cherché cette chaîne très rapidement, je suis tombé sur cette page, cette page qui montre euh, en fait euh, alors du code Swift qui permet euh, de découvrir. Euh, donc, c'est là où j'ai trouvé le fameux search for service of type. Voilà, c'est ça qui m'a amené là. Euh, et en fait ben, c'était du code Swift qui devait me permettre de lister euh, tous les services bonjour qu'il y avait sur la machine. Donc je me suis dit ben, je vais regarder ça. Mon cerveau n'était pas bien réveillé à ce moment-là, je me suis dit voilà, euh, et puis dans bonjour il y aura je sais pas quoi pour appeler les méthodes. Enfin, J'étais parti complètement ailleurs du, du simple appel HTTP, on y reviendra après. Mais donc j'ai commencé avec ça, je me suis dit bon ben j'ai un Mac en avant, hein, il a fallu installer Xcode qui n'est qui, qui pas très agréable par rapport aux environnements auxquels je suis habitué. Mais pourquoi pas Et euh, la première bonne surprise, si on descend un peu plus bas, c'est que la personne avait pris le temps. C'est un simple gist, hein, c'est même pas un projet complet. Hein, c'est quand vous voulez échanger vous pouvez mettre des bouts de code. Euh, il l'avait upgradé, updaté pour euh, mise à jour, pardon en français, mise à jour pour la dernière version de Swift que j'avais donc évidemment sur, sur le Mac une fois à jour. Et ça a tourné du premier coup dans Xcode. Et c'est là où ça m'a permis de voir d'abord un que bah, il y avait bien le service tel qu'il était annoncé, qu'on pouvait avoir le port. Et au moment où je vois la mention de, du, du port précis qui était utilisé, je dis Tu fais n'importe quoi, tu ne vas pas faire du Swift pour ça. Euh, il y a tout ce qu'il faut, euh, vu que le pico et tout, je suis déjà en Python et tout, je vais sûrement faire un service derrière qui va permettre de manipuler ça. Sauf qu'à l'inverse, si le HTTP était très simple avec le module request, je me retrouvais à comment on gère le service bonjour. Et là, ça n'a pas mis très longtemps pour que je tombe sur la librairie 0conf qui permet en Python d'interroger et d'interagir avec euh, les, les services bonjour et Avahi. Avahi, c'est la si je dis pas de bêtises, c'est euh, le service qu'on peut trouver sous, sous Linux. Et je crois qu'il est compatible. Si je dis pas de bêtises avec bonjour, J'ai pas vérifié ce point-là. Et euh, voilà, il y avait tout, euh, la doc, tout le tralala, tout ce qui convient. Et euh, je me suis dit, ben c'est parti, hein, le, le boot Swift fonctionnait. Et je me suis dit que j'allais. Euh... Donc là, je vous remontre le, le bout de Swift, c'est juste pour. Hein, c'est rigolo. Je ne l'ai pas lancé depuis, euh... depuis VS Code, mais. Euh... Ah, bah merci, Kong, de, de confirmer. Voilà, c'est la, la version. Ah, c'est la version Linux de Bonjour. Donc c'est compatible la librairie. Euh, toujours est-il que, de toute façon, mon Soft et Cam, en l'occurrence, ne tournent que sur Mac. Donc euh, le problème ne se posera pas. Et euh, ben j'ai utilisé la fameuse librairie pour vous montrer quand même. Euh, le, il y a beaucoup moins de code que sur Swift, mais ça ne fait pas la même chose. Hein. Là, ce, ce, pour être honnête, sur Swift, ça permet de lister tous les services qu'il a découverts. Euh, je pourrais faire la même chose avec Python, mais ce n'était pas mon objectif. Donc je ne l'ai pas fait comme ça. Je vais vous grossir un petit peu. Voilà. Pour que vous puissiez mieux voir ce qu'il y a dans, dans le code sur l'écran. Euh, donc, tout simplement, hein, comme vous l'avez vu dans la doc, c'est euh, pip install. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Hop, on revient là. Euh, vous faites un pip install 0conf pour vous installer la librairie euh, Python. Et puis, ben, on va, on va l'utiliser. Euh, ça doit parler euh, même à Patrice si tu nous regardes. Voilà l'import de, de la partie 0conf. On déclare qu'on va manipuler un objet euh, 0conf. Et on lui dit, ben écoute, moi ce que je veux, c'est récupérer les informations sur un service donné que, que je nomme ici, il a un type et il a un nom. Et avec ça, ça remonte tout un objet avec un tas d'informations. Et notamment, une de ces informations, c'est le port qui est utilisé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne rapidement. Hop, find port. Voilà, donc il me dit que le port utilisé c'est le port 57424, donc ça change à chaque lancement de, de ECAM, bien entendu. Euh, en l'occurrence, là, moi j'ai décidé pour l'instant de l'utiliser avec le, le localhost. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est accessible si vous utilisez l'IP de la machine sur votre réseau local. Alors, en termes de sécurité, je ne sais pas trop ce que ça donne. Je, je ferai un test parce que ça pourrait être intéressant... Avant d'utiliser le, le Pico, la première idée, s'il y avait eu le Wi-Fi, ça aurait été d'utiliser un, un Core M2 ou un, un stick, mais un Core M2 particulièrement, parce qu'il a les boutons tactiles qui, qui pourraient être utilisés. Et puis, bah, d'aller euh, avoir un petit menu qui permette de choisir l'action que vous allez effectuer. Mais bon, on verra, on verra jusqu'où ça va avec ça. En tout cas, ce bout de code me permet d'avoir le, le port. Je voulais montrer la version simple. Après, pour explorer un petit peu tout ce qui se passait euh, j'ai fait un code un tout petit peu plus compliqué. Euh, je vais vous montrer la partie qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. Je refais le get service info. Je rajoute le fait que si j'ai rien... Euh... Alors MDNS marche aussi sur le réseau local. Oui, je pense aussi, mais je ne sais pas si... Bonjour en premier et surtout dans le service ECAM euh, Live. Je ne sais pas s'ils ont un contrôle de, de où vient l'appel. Donc il faudra que je teste. Pas à l'abri de piloter le Keypad avec un M5, mais tout à fait, auquel cas je me retrouverai avec le Wi-Fi. Mais bon, le Pico euh, Keypad étant fait pour marcher comme ça, c'est pas très grave. Euh, je sais déjà. Salut Charlito Je sais déjà euh, comment. Euh... Pardon, pas dire comme ça. Salut Charlito, bienvenue chez Calme. Je, je vous ferai des, de toute façon des retours sur tout ce que je vais tester, mais. Euh... Je pense que simplement le, le Pico euh, RGB Keypad, le Pico il tourne. Euh, je sais comment interagir avec euh, la liaison série. Euh, je mets de l'autre côté un, un programme en Python qui va écouter euh, le, le port série en question. Et puis euh, le reste de l'appli recevra les commandes par le port série qui correspondront aux différentes touches. Ravi que ça te plaise, Charlito! <laughs> euh... Donc euh, voilà, l'interaction se fera à ce niveau-là. Donc là, je vais rajouter un petit peu la vérification que l'appli soit bien en route. À dessous, je fais comme tout à l'heure, je récupère et puis je l'affiche. On ne sait jamais ça peut servir le, le port. Euh, pour l'instant, je vous ai dit que je tournais en local pour tout ce que j'allais faire. Donc euh, je stocke. C'est une petite astuce du, depuis euh, Python 3, 4, 5. C'est le nouveau format, c'est les f-strings. Une f-string, c'est juste, vous le déclarez avec un f avant les guillemets de la chaîne. Et à l'intérieur, dans des accolades... Vous pouvez utiliser des variables que vous avez par ailleurs. Donc ça permet d'avoir des choses un peu dynamiques et à peu près lisibles. Euh, J'ai rajouté derrière, donc si vous vous rappelez tout à l'heure le, le fichier que je vous ai montré, euh, parmi les informations, on avait un, un getInfo qui permettait de récupérer tout un tas d'infos comme vous allez pouvoir le, le constater. J'aurais pu peut-être directement. Euh, ouais, enfin, J'ai fait le getInfo pour avoir un peu euh, pas mal de choses à l'écran pour vous montrer ce qu'il y avait. Euh, je fais un appel avec la librairie request donc c'est aussi simple que ça hein, à l'arrivée c'est cette ligne de code qui est importante get avec l'URL qui va interroger ECAM et euh, bah, je vérifie que j'ai bien un code, un statut qui correspond à tout va bien je t'ai répondu quelque chose de compréhensible ce que je reçois c'est ce qu'on appelle le format JSON, je vais un peu vite parce qu'aujourd'hui je vous ai dit qu'à 13h30 c'était filoche filoche mais euh, j'espère que j'aurai des questions et que ça vous donnera des idées et on reviendra sur ces différents points. Je pourrais vous détailler la partie JSON si vous le souhaitez, on pourra, on pourra voir dans le détail. Euh, petite astuce au passage, j'utilise la librairie euh, qui, est, qui est incluse dans Python maintenant, euh, pprint, qui permet d'afficher de manière un peu plus jolie. Notamment quand on a un objet JSON, il sait l'afficher de manière un peu propre. Et dessous, j'ai continué avec la, la deuxième API qui m'intéressait, qui était GetSendList. Qui va en fait retourner la liste de, des scènes que j'ai dans Ecamm. Donc il faut savoir que dans mon logiciel, bah j'ai fait euh, euh, la vue avec euh, la première caméra, la vue avec la seconde caméra qui me sert de top cam ou de secours ici pour vous montrer autre chose, la vue desktop, la vue desktop avec la caméra, enfin tout ça, j'ai un certain nombre de scènes et ça devrait normalement me les lister en sachant que j'ai décidé euh, euh, d'afficher avec une petite fonction que j'ai fait à, à moi toute simple pour pas tout afficher mais d'afficher juste le, le titre qui va être en fait le nom dans ECAM de la scène et puis une information qui vous paraît barbare UUID qui veut juste dire que c'est un, un identifiant unique pardon qui sera utilisé vous allez voir par la suite dans la dernière appli que j'ai que j'ai codé donc si je vous montre ce que ça donne Hop. donc là il va en balancer un peu plus je vais agrandir là voilà donc on voit l'affichage du port comme tout à l'heure, du coup je réutilise cette variable pour faire l'appel aux infos. Les infos ça m'indique que je suis pas en mute, que je suis pas en mode preview, vous êtes actuellement neuf, Ça la fout le grains jour. Euh, merci à tous. Je crois que je vais pas m'en lasser de vous la faire régulièrement celle-là. Et en dessous, vous avez la liste des scènes donc euh, eh bien il y a toute cette série là de scènes là que vous voyez et puis ici c'est pas tout à fait une scène, c'est un groupe de scènes que j'ai appelé interview que j'utilise quand je fais les interviews. Coucou Alex, je t'ai pas oublié, nous allons faire un spécial Russie bientôt. Et euh, j'avais des, des scènes en dessous qui correspondaient à, 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 ce, à ce groupe. C'est comme un petit euh, répertoire dans lequel j'ai mis euh, différentes scènes. Euh, j'ai réutilisé tout ça, vous allez voir. Hop, je vous montre l'application la, la plus entre guillemets complète hein, qui n'est pas l'application finale. Hein. Tout, tout ce code est commun et, et, et est le même. Et une fois que j'ai affiché, bon il y a une petite euh, ici astuce, je stocke dans un objet liste les différentes scènes pour pouvoir les utiliser éventuellement derrière. Ce qui n'est pas encore le cas mais qui sera le cas dans la suite de l'application. Et ensuite, ben, simplement je fais un bet, euh, une bête saisie euh, depuis la ligne de commande où je vais lui rentrer le UID, euh, vous voyez la liste qui est là. Euh, et euh, ça devrait normalement switcher sur la vue en question. Donc là. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Normalement, vous voyez mon, mon desktop euh, avec la caméra dans, dans le coin. Euh, C'est donc, si je vous montre dans la série, ce qui correspond à desktop NZV1. Donc, je vais vous lancer le dernier truc. Voilà, hop, switcher. Donc, il va faire la même chose. Il va afficher... Euh, les infos, il va récupérer bien sûr le port au passage, afficher, afficher les infos pardon, et la liste des scènes et après donc là il attend que je lui saisisse donc je vais le copier, bien sûr ce ne sera pas comme ça au final hein. euh, je vais lui copier le UID et au moment où je vais appuyer sur entrée il va faire appel à la dernière API qui est ici donc l'URL de base avec le port et puis on fait un set scene et puis vous voyez le petit point d'interrogation c'est ce qu'on utilise quand on fait un appel aux API web par HTTP. Je rajoute la, le paramètre ID qui va être ce que je viens de saisir. Et normalement, ça devrait switcher sur la scène où vous allez me voir normalement euh, en, en plan comme ça face. Donc voilà. Si tout va bien. Si tout va bien. Tout va bien. Merveille de la science. Et on peut y retourner une seconde fois et revenir sur la vue qui vous montre le code. J'ai copié UID vu que le code n'est pas encore blindé de partout. Ouais, je me suis trompé évidemment du copier-coller, sinon ça serait trop facile. Hop. Desktop NZV1, il faut que je le copie ici. Je vois sur le coin de l'œil là, du coin de l'œil qu'il y a des, des, des messages. Hein? Hop. Et normalement, j'ai reswitché euh, sur la vue. Euh, voilà. Donc à partir de là, ça signifie de toute façon derrière que ce soit Python, pas Python, peu importe. J'en rediscuterai avec Philippe parce que je sais que lui aussi, euh, il voudrait pouvoir piloter euh, son son ECAM, ce qui est le cas avec son utilitaire Philippe. Tu me dis si je me trompe, qui s'appelle euh, Better Touch Control sur les Mac, qui permet de piloter la petite barre de contrôle. Et euh, je pense que derrière, bah, ils ont le, le même système où il va récupérer le port par l'API. Ils doivent, la, voilà, ils l'utilisent. Et puis euh, T'as eu peur quand ça s'est figé Charlito Ne t'inquiète pas Charlito, je maîtrise. Donc euh, c'est la magie magique. Ça veut dire qu'à partir de là, j'ai euh, d'un côté le code sur mon picot euh, qui va me permettre de saisir les touches. Et ça va permettre. Euh, oui, ça va prototyper grave du deck. Ça c'est clair. Euh, donc au moins avec le picot, mais j'ai aussi un Adafruit Neo -Treli. Euh, qui permet aussi d'avoir des touches avec des néopixels, sauf que je peux brancher du coup dessus un Adafruit M4 Feather. Donc j'ai le Wi-Fi par un biais, parce que j'ai déjà un, voilà. Donc je pourrais euh, l'utiliser directement, je peux aussi faire des tests avec le corps. Euh, je pense que tout ça, je vais essayer de le rendre propre, de le rassembler sur un, un repos GitLab. N'est-ce pas, Philippe GitLab je vous publierai ça et euh, je pense que je l'utiliserai aussi, puisqu'il va falloir que je vous refasse, si vous êtes chaud, à Charlito et Patrice, la suite de ce qu'on avait fait avec Git. On avait fait les manips de base, et là il faudra que je vous montre comment on récupère un, un projet distant et comment on contribue dessus. Et on peut utiliser le M5 Paper, tout à fait, mais bien sûr, le M5 Paper est un très très bon candidat puisqu'il aura le Wi-Fi et il aura le tactile, plus l'affichage sur l'écran d'icônes personnalisées. Ce sera parfait. Donc je vais créer un repos de base, je pense, avec, euh, je sais pas, un premier répertoire qui s'appellera euh, exploration. Et puis après, euh, je pense qu'on fera projet par projet. Et si on en tire des librairies, on, on les partagera. Je pense que c'est pas mal. Euh, je ne sais pas, Philippe, si euh, ça t'intéresse de le faire en Python ou si tu veux le faire en JS ou autre. Donc voilà. Oui, Charlito, exactement. Comment envoyer son projet sur la, plate, sur la plateforme GitLab Ou GitHub, en l'occurrence, on fera avec GitLab. Euh, je pense que ça peut faire l'objet du, du prochain live. Euh, et si tu es coincé entre temps, bien sûr, n'hésite pas sur le Discord, euh, dont je vais remettre l'URL tout de suite. Voilà, ça c'est beau la non-organisation. Euh, tac tac tac, où est-ce qu'il est, qu il, est Il est là. Hop. On va rebasculer dans ce mode-là. À ah, la souris. Quelle méthode archaïque maintenant qu'on a tout ce code. Lundi, ça va le faire. Bah écoute, je vais essayer de préparer tout ça pour lundi. Et donc... Petite séquence ASMR obligée. Rejoignez-nous sur le Discord de Calme et n'oubliez pas, ceci est un Discord de la tentation. Et bien sûr, qu'il y aura une touche pour mettre le, le lien du, du Discord dans le, dans le chat parce que dans les API, il euh, euh, y a la possibilité d'utiliser. Euh, il suffit que je. Hop Pour ne plus l'avoir. Euh, alors attendez, avant de vous le montrer, que je dise pas de bêtises. Et non, il n'y a pas la partie commentaire, zut, zut, zut. Euh, mais c'est pas grave. Je note ta suggestion. Euh, c'est une très, très bonne suggestion. Euh, je réfléchis en même temps, mais ouais. Je pense que <laughs> on n'en arrivera peut-être pas à faire un hydre à 12 têtes avec du Swift, du Python, du Kotlin et du Gravel. Mais, mais on, fera, on fera plusieurs versions. Par exemple, Kotlin, il y a un truc qui me tenterait beaucoup. Il y a un moment que ça me chauffe, je voulais tester euh, leur, euh, leur, leur outil euh, de chez JetBrain, le JetBrain Desktop, qui permet de faire des, des UI Desktop en Kotlin. Euh, ça, ferait, ça ferait un beau truc. De toute façon, il y aura besoin d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le langage, de quelque chose qui permettra de mapper euh, les touches euh, avec, euh, avec ce que vous souhaitez. Donc euh, pourquoi pas euh, rajouter euh, une connexion avec l'API euh, Twitch qui me permettra effectivement de, par le biais des touches, euh, de balancer les, les séquences de caractères euh, euh, qui correspondent à l'émission en cours, et notamment préparer à l'avance 1, 2, 3, 4, 5, les liens que j'ai prévus, et les balancer directement sans me poser la question. Ça passera derrière et ça me permettra de faire un petit bot Twitch au passage. Donc, ouais, ouais, je pense que c'est l'hydre à 24 000 têtes. Donc, je sais pas comment j'appellerai le projet, mais ça peut être marrant. Mais non, mais non, mais non. Il n'y aura pas 19 gigas de projet parce que quand c'est avec Philippe, on fait du euh, du JS vanilla sans, sans toutes ces fioritures inutiles. Par contre, si on fait un mix de Swift, Python, Kotlin, Graal, VM native, c'est pas dit. Et un serveur en Erlang. t'es sur un clavier QWERTY, tu t'es fait avoir, Kang. <laughs> donc voilà, voilà euh, ce que j'ai euh, fait hier soir et, et je suis très content d'avoir cette possibilité de piloter euh, on verra avec quoi mais en tout cas euh, euh, l'API existe euh, ce qui m'embête un peu c'est que je n'ai pas eu de réponse sur les forums de ECAM donc je vais relancer euh, c'est pas parce que cette API est utilisable qu'ils ont envie qu'on l'utilise donc j'aimerais que ça se fasse de manière totalement réglo. Euh, j'aimerais pas être en train de bosser sur l'API et que derrière ils décident de tout changer euh, parce qu'on a travaillé dessus à plusieurs. Ce serait con. Euh, je pense pas qu'ils aient euh, cette intention-là, mais euh, j'aimerais bien savoir le statut de cette API. Parce que euh, c'est pas parce que j'ai pas trouvé la doc qu'elle n'existe pas. Euh, S'il si faut être, euh, je ne sais pas quoi, affilié Cam pour avoir le droit de la manipuler, euh, voilà, je, je poserai la question avant de diffuser ça n'importe comment. Donc voilà, j'espère que... Que ça vous a intéressé je sais qu'il y en a qui étaient intéressés par le, le fonctionnement qui était derrière donc Philippe je tiens à ta disposition ce bout de code avant même qu'il soit dans un GitLab évidemment mais ça devrait pas traîner sur ce ben je vous l'avais promis euh, ça n'allait pas déborder aujourd'hui je ne peux pas me le permettre 13h29 on est bon pile poil euh, voilà à bientôt euh, à lundi euh, pour euh, Je pense, je vais essayer de, de faire la suite pour, euh, pour Patrice et Charlito de, de la, la publication d'un projet ou la récupération d'un projet avec Git. Euh, ça me semble quand même pas mal. Et puis, euh... pour ceux que je ne vois pas un barbecue demain, bonne journée. Ça le fait, non Je suis trop content de mon nouveau jouet. Il est beau. <laughs> et bon anniversaire, neveu. Merci, je lui transmettrai. A bientôt Salut à tous